Les consommateurs abondent dans les centres commerciaux de Sherbrooke cette fin de semaine et lundi, comme ici au Carrefour de l'Estrie où les gens sont à la recherche des cadeaux de dernière minute. Oui, j'étais à la dernière minute. Je suis pas venu magasiner avant aujourd'hui. Pourquoi donc? Oh, j'étais pas pressé, ça me stresse pas. Je trouve ça très frustrant qu'il n'y a jamais assez de caisses nulle part. C'est juste le stationnement. Il faut être un petit peu plus patient pour trouver un endroit. Si dans les magasins à grande surface, il faut faire preuve de patience, en revanche, les boutiques du centre-ville sont beaucoup plus tranquilles, comme ici sur la Wellington. Malgré tout, les commerçants se disent satisfaits de leur chiffre d'affaires. On fait des bonnes affaires, honnêtement. On se plaint pas. Et le mois de décembre, c'est toujours un mois très achalandé pour nous. On se plaint pas. Ça va super bien. Je pense que nos clients cherchent aussi à fuir un peu l'embouteillage des centres d'achat. En même temps, on a quand même gros du monde. Puis on est super contente de l'achalandage qu'on a aussi. C'est sûr qu'il a fallu travailler peut-être un petit peu plus fort cette année. Vu à cause de la température, les gens étaient peut-être un petit peu moins dans l'esprit des fêtes. Mais somme toute, on s'en est bien sortis. Le marché de la gare, de son côté, a déployé beaucoup d'efforts cette année afin d'attirer les visiteurs. Bien, nous, ça a été plutôt la patinoire avec les enfants. Puis après ça, tant qu'à être proche, toutes les attractions semblent intéressantes. On arrive de Chambly, c'était très familial, puis on retrouve un peu ça maintenant là, à Sherbrooke. C'est merveilleux. On l'a fait la Grand Roue, puis c'était vraiment le fun. On regarde d'en haut, puis c'est vraiment magique. Je suis très agréablement surprise. Il y a plus de marchands que je pensais, puis beaucoup de créations québécoises, de gens d'ici. Donc, c'est ça, j'ai pas trouvé de cadeau, j'ai trouvé quelque chose pour moi. J'adore ça. C'est artisanal, c'est pas gadget, c'est... Non, j'aime ça. Ça se passe bien, on a quand même beaucoup de gens qui viennent visiter le marché de Noël. On est vraiment chanceux à Sherbrooke d'avoir un aussi beau produit qui attire les Sherbrookeois, mais qui attire aussi beaucoup de visiteurs de l'extérieur. Je vous dirais que c'est peut-être sensiblement le même nombre de visiteurs que l'année passée. Bien, si je compare mes revenus de l'an passé puis cette année, oui, il y a une grosse différence. C'est meilleur cette année avec la publicité qui a été faite puis tout l'achalandage, oui. Malheureusement, on a eu de la pluie au lieu de la neige. Alors, c'est peut-être le petit côté négatif de cette année, mais c'est pas fini. Ça dure jusqu'au 31. Fait qu'on espère qu'on va avoir plus de neige puis que les gens continuent à venir. Oh! Joyeux Noël à tout le monde et surtout une bonne année 2013!